Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je vous accueille à l'adoration dominicale. Je loue le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, et que la touche du Seigneur est sur votre vie. Je prie que, comme nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, que la bénédiction de la parole enrichisse votre vie au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas prier ensemble avec moi? Père, nous te remercions pour ce moment, merci pour ton peuple, merci pour leur fidélité à venir ensemble t'adorer. Je demande, Seigneur, que notre adoration de ce jour soit une bénédiction à tous au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction de la parole, la bénédiction de l'obéissance à ta parole vienne sur toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur, et que nous soyons tous bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir Psaume chapitre 1, un passage très familier de l'Écriture. Je lis du verset 1 au verset 6. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Psaume 1. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2 dit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3 dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, le verset 4 nous parle de l'autre homme qui est du côté opposé, qui agit contrairement à Dieu, qui n'a pas donné ni sa vie ni son cœur à Dieu, qui marche dans la voie du péché. Il n'en est pas ainsi des méchants, il n'en est pas ainsi des injustes, il n'en est pas ainsi des moqueurs, des pécheurs, il n'en est pas ainsi des impies, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5 dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs, ni les moqueurs dans l'assemblée des justes. Alors, le verset qui clôture 6 nous dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est dans ce psaume, le premier psaume, le psaume d'ouverture, on a vu que, et on a 150 psaumes dans la Bible, et ce psaume d'introduction nous présente ici que cela ouvre tout le psaume, et c'est comme le panorama de tous les psaumes, et cela parle des justes et des impies. Alors ça nous donne les détails de ceux qui sont justes, de ceux qui ne sont pas justes. Cela parle du croyant, ceux qui se confient en l'Éternel et ceux qui n'ont pas mis leur confiance en l'Éternel. Tout le psaume nous parle des actions des hommes justes et des croyants et qui ont mis leur confiance en Dieu et leur possibilité, ce qui fait leur promesse, ce qu'est la gloire de Dieu sur la vie de ces justes. Et d'autre part, cela a parlé des gens, le châtiment de ceux qui ne sont pas du côté du Seigneur. Cela parle de leur style de vie, les injustes, les impies, les pécheurs, les moqueurs. Cela parle de la perdition qui viendra sur eux. Donc, comme vous venez au psaume 1, vous venez, c'est comme le sommet, l'avant-première de ce que nous aurons dans tous les psaumes. Et aujourd'hui, nous parlons de la béatitude du juste d'ici et à l'au-delà. La béatitude du juste ici dans ce monde. La béatitude du juste d'ici après l'enlèvement, après que nous serons avec le Seigneur, le juste va demeurer dans la bénédiction du Seigneur. Nous avons comme titre la béatitude du juste d'ici et à l'au-delà. Nous allons voir trois points comme nous voyons sur ce mot. Numéro 1, c'est l'image du bienheureux. Et le portrait du bienheureux, celui que Dieu a dit que quel que soit ce qui arrive, quel que soit là où il vive dans une partie de ce monde, cet homme sera béni. Quelle est l'image du bienheureux? Quel est le portrait de cet homme? Comment pouvez-vous
vous mettre dans l'image d'un tel homme qui est bienheureux. Numéro 1, c'est l'image de l'homme bienheureux. Deuxième point, c'est la prospérité de l'homme croyant à la Bible. Voici l'homme qui prend la Bible, la parole de Dieu. Il prend les paroles de Dieu, les commandements de Dieu. Il les lit, il les médite et il agit selon cette parole. Il les observe et il les pratique. Parce que c'est un croyant, c'est un homme qui croit à la Bible, un enfant de Dieu qui croit à la Bible, parce que c'est une femme qui croit à la Bible. À cause de cela, toute sa vie et toutes ses décisions, tout ce que la personne l'a fait, partout où il va, où elle va, à chaque moment du jour, du temps, il dépend ou elle dépend de la parole de Dieu. Quelle est la prospérité de l'homme, là, de la femme là, qui croit à la Bible? Donc, troisième point parle du partage ou la portion des méchants. La portion des gens qui agissent comme des bêtes. Ils ne mettent pas Dieu dans leur pensée. Ils ne mettent pas le Créateur dans leur pensée. Ils agissent comme ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ici, qui les a amenés ici, qui les a mis ici, a fait quelque chose de glorieux. Parce que ce sont des méchants. Ils sont des gens qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Alors, ils n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, avec la Bible. Alors, ils ne croient pas le Seigneur. Ils ont leur portion ici que Dieu lui-même a déjà ordonné. Ils ont leur portion aussi à l'autre côté du tombeau à l'éternité. Numéro 1, l'image de l'homme bienheureux. Donc, comme on voit le numéro 1, le premier point, nous lisons le verset 1 et 2 de Psaume 1. Psaume 1, verset 1 et 2. Heureux l'homme. C'est que heureux l'homme. C'est-à-dire, l'homme là est béni. Alors, l'homme là, c'est bien identifié. Si vous cherchez un homme bienheureux, je vais le montrer. Vous cherchez un homme heureux, un homme bienheureux, voici la personne là. Vous voulez vivre avec un homme bienheureux, je vais vous le montrer. Et vous voulez travailler avec lui, vivre avec lui et voir son exemple et voir son portrait. Que voici ce que je veux être. Heureux l'homme. Heureux est l'homme là qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Comme on voit le verset 1, il a décrit de façon négative ce qu'il ne fait pas, là où il ne marche pas, et là où il ne s'arrête pas, et là où il ne s'assied pas. C'est-à-dire qu'il ne marche pas dans toutes les voies, il ne marche pas partout devant lui. Il regarde cela et dit que cette voie, ce chemin, ce sentier, ça c'est la voie des impies. Je ne vais pas marcher là-bas. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et que les gens qui s'arrêtent, est-ce qu'ils s'arrêtent au coin de la rue, qu'ils s'arrêtent quelque part, que c'est là que se tient l'incroyant, le pécheur. Non, je ne vais pas m'arrêter là-bas. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des ivrognes, des buveurs, en compagnie des gens qui ne suivent pas la voie du Seigneur. Il dit ça c'est le siège des moqueurs, ça c'est le siège des gens méchants qui blasphèment Dieu. Je ne vais pas m'asseoir là-bas. Mais verset 2 l'a décrit de façon positive. Tout d'abord négatif et après le positif. 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, sa joie, sa volonté, sa passion, sa jouissance, son enthousiasme, tout se trouve dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors joignons cela au verset 3 qui dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et c'est un arbre rafraîchi, c'est un arbre verdoyant et un arbre fécond. Il est bien planté là-bas et qui porte son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est comme je parle de vous. Vous serez l'homme bienheureux, la femme bienheureuse au nom de Jésus-Christ. Comme nous voyons cette image, ce portrait de l'homme béni,
Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, c'est sa description. Comment le décrivez-vous? Comment décrivez-vous cet homme que le ciel a dit qui sera heureux? Quel que soit ce qui se passe sur terre, quel que soit ce qui ne se passe pas sur terre, cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille sera béni. Numéro 1, c'est la description. Numéro 2, son plaisir, ce qui tire sa joie, son enthousiasme, sa passion, ce qui l'intéresse, son plaisir. Numéro 3, sont ses actions, ses activités, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Voilà le numéro 1, sa description. Comment le décrivez-vous? Heureux l'homme, c'est la description. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, ils parlent beaucoup, ils parlent de trop, ils parlent de diverses manières. Ils veulent vous prodiguer des conseils avant de prendre le conseil, avant même d'examiner leurs conseils, avant même de ruminer ce qu'ils vous disent. Je veux que vous dites que, est-ce que cette personne un homme juste? Est-il un homme pieux? Est-il un disciple de Jésus-Christ? Cet homme a-t-il la lumière de Dieu, la lumière du Seigneur Jésus-Christ? S'il n'a pas la lumière, s'il est méchant, n'allez même pas examiner son conseil ou son instruction, parce que voici la description. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne marchez pas selon le conseil des méchants, vous ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs. Okay. Les pécheurs qui s'arrêtent ensemble, les pécheurs qui discutent ensemble, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils planifient, et ils font leur plan. C'est lorsqu'ils s'arrêtent comme ça en discutant et en délibérant, et lorsqu'ils causent, c'est en ce temps-là, quand vous le voyez, ils s'arrêtent là-bas. Celui-ci est pécheur, l'autre là est pécheur, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas rafraîchi par la parole de Dieu, il ne connaît pas le Seigneur. Quel que soit son statut social, sa position dans la vie, quel que soit ce qu'il est venu faire, son expérience dans la vie, vous n'allez pas vous arrêter dans la voie des moqueurs, des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les gens là qui, en flagrant délit, ils se moquent de la parole de Dieu, ils se rient de la voie du ciel, ils se rient de la voie étroite qui mène à l'éternité. Mais ils se rient du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ils se moquent de tout ce qui est cher à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'allez pas vous asseoir avec eux. Vous n'allez pas vous asseoir en compagnie d'un moqueur. Voyons la description, la description de cet homme. Juste, nous allons au psaume 32, verset 1. Cela parle de l'homme qui est béni, l'homme heureux. Psaume 32, verset 1 qui dit: heureux celui à qui la transgression est remise. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous allez voir les incroyants, si vous allez penser aux gens, numéro 1, qui sont méchants, numéro 2, ils sont injustes, numéro 3, ils sont pécheurs, numéro 4, ils sont moqueurs, numéro 5, ils sont des gens qui se rient de tout. Si vous allez voir les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas la voix du Seigneur, ils sont des gens qui sont là comme toute autre personne. Ils ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, nous nous détournons de nos péchés, nous nous tournons de nos transgressions, nous nous détournons de toutes choses mauvaises que nous aurons faites. Et avec la confession qui sort de la conviction, on confesse et puis on se tourne et puis on se repent et nos péchés sont pardonnés. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous croyons à Jésus-Christ, notre substitut, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ en tant que celui qui porte nos péchés et puis nos transgressions, toutes nos transgressions accumulées ensemble, alors tout est pardonné. Et puis le péché est couvert devant Dieu, il ne va plus le voir. C'est pourquoi c'est dit que l'homme dont nous parlons, qui est l'homme heureux, l'image de l'homme dont nous parlons, le portrait de l'homme que nous décrivons. L'homme bienheureux, c'est l'homme-là, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Verset 2 ici, psaume 32, verset 2. Et parce que ses péchés sont pardonnés, parce que ses péchés sont ôtés, voyons ceci. Et heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Heureux l'homme là, heureux la femme là, heureux ce croyant, heureux celui-là,
dont tous les péchés sont accumulés. Il a confessé ses péchés, il s'en est détourné et maintenant il croit et il se fie au sang de Jésus, au sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alors il dépend de cela pour laver tous ses péchés, pour ôter tout et jeter tout au fond de la mer, que ces choses ne soient plus rappelées contre lui. Heureux l'homme là à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Après être sauvé, après être né de nouveau, après que les péchés sont pardonnés, il est affranchi dans son esprit, dans son cœur, dans son âme. Il dit qu'il n'y a plus de fraude maintenant, il n'y a plus d'injustice maintenant dans son esprit. Et on nous parle de cet homme, psaume 119, la béatitude de l'homme là, la gloire de l'homme là, la bonté dans l'homme là. Psaume 119, verset 1 nous dit: heureux ceux qui sont intègres. Voici l'homme intègre dont nous parlons. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Voici les gens là. Ils sont déjà bénis, ils sont enfants de Dieu, leurs péchés sont pardonnés, leurs péchés sont lavés et la parole de Dieu a pris effet dans leur vie. Ils sont intègres dans leur voie et ils marchent selon la loi de l'Éternel. Ils marchent dans la voie de Dieu, ils marchent selon la révélation de ce que Dieu a révélé, que voici comment le croyant doit vivre. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous parle de cet homme au verset 2, qui dit: heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, et ne viennent pas à Dieu avec une attitude de superfluité. Ils ne viennent pas à Dieu avec un cœur partagé, mais avec tout le cœur, avec toute l'âme, avec toute la vie. Alors il commence à chercher le Seigneur, verset 3 qui dit, qui parle de ces gens qui ne commettent point d'iniquité. Ils sont nés de nouveau, ils ne continuent plus dans le péché, ils sont enfants de Dieu et qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies et qui marchent dans ses voies. Luc 11, 28, Luc chapitre 11, 28, nous avons les paroles de Jésus-Christ lui-même au sujet des gens qui suivent le Seigneur, au sujet des gens qui prennent le Seigneur d'être leur sauveur, leur rédempteur. Et il dit, et il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux, c'est pas seulement que j'ai entendu la parole de Dieu, cela ne suffit pas. Si vous serez bénis, si vous allez être bénis, notre bénédiction exige que nous écoutions la parole, que nous méditions la parole, que nous pratiquions la parole, que nous décidons sur la parole et que nous obéissions à la parole du Seigneur. Finalement, comme on va à l'Apocalypse 22, les gens qui seront bénis éternellement, les gens qui seront bénis lorsqu'on va à l'autre bord, voici ce que le Seigneur dit: heureux ceux qui obéissent à ses ordres. Les gens qui disent que ce que j'ai fait, j'ai levé la main à la croisade lorsque la paix à la décision est faite et je crois au Seigneur, et activement ces gens-là et de façon proactive, ces gens-là de façon positive n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils croient que le ciel est assuré pour eux parce qu'ils ont levé la main quelquefois. Mais c'est dit que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, verset 14. Si nous allons entrer et si nous allons aller au royaume de Dieu, voici ce que le Seigneur exige: que nous obéissions au commandement de Dieu. Nous avons la grâce, l'amour, le désir, la miséricorde de Dieu. Nous avons la purification du sang de l'agneau. Nous avons la force qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit. Et nous obéissons à ses commandements. Cela nous montre la description de l'homme béni. Numéro 1, c'est la destruction. Allons au deuxième point maintenant. C'est son plaisir. Son plaisir ou ses délices. Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2 qui dit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ouais, il trouve plaisir
dans la voix de Dieu, dans la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans la volonté de Dieu. Il trouve son plaisir dans la sagesse de Dieu. Numéro 1, il trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a point d'autre loi que cette loi, la parole de Dieu venant du ciel, la révélation de Dieu. Qui trouve mon plaisir, ma joie, c'est dans la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans les voies du Seigneur. Il n'y a point d'autre voie que les voies du Seigneur. Et voici la voie que le Seigneur a frayée. Mais Jésus, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous allez atteindre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel parce que il n'y a point aucune autre voie comme la voie de Dieu. Il prend plaisir à la volonté de Dieu et la volonté de Dieu est révélée dans la parole de Dieu. Il y a la volonté de l'homme, la volonté du pécheur, la volonté de la société, mais il ne prend pas cela. Il dit qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté aussi pure que la volonté de Dieu. À cause de cela, il trouve son plaisir dans la volonté de Dieu, dans la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous est révélée. Bien sûr, vous comprenez, vous savez qu'il n'y a personne d'aussi sage que le Dieu Tout-Puissant, pas même Salomon, pas même les philosophes, pas même les gens de la terre. C'est pourquoi la sagesse en laquelle je prends plaisir, c'est la sagesse de Dieu. Il prend son plaisir dans la loi, dans la volonté, dans la sagesse de Dieu, dans les voies de Dieu. Voyons Psaume 40. Et voyons Psaume 40, verset 9, qui dit, je veux faire ta volonté, je poursuis la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté de Dieu-là que j'aime. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Il nous dit, au psaume 112, psaume 112, verset 1 qui dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est ce que nous poursuivons, est-ce que nous voulons être. Je veux que ma vie soit comme la vie de l'homme qui est béni par le ciel, béni par Dieu, béni par Christ, béni par les promesses de Dieu, l'homme béni par le Saint-Esprit, l'homme béni à tout moment. Lorsque vous priez, vous êtes béni. Lorsque vous lisez la parole, vous êtes béni. Lorsque vous vivez, vous êtes béni. Que voici le désir d'un tel homme qui veut être béni à tout homme. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir. Voici cela. Un grand. Pas seulement il trouve un plaisir superficiel au commandement de Dieu. Non seulement il trouve un plaisir superficiel à la voix de Dieu, au commandement de Dieu, à la sagesse de Dieu, mais qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 6 nous dit, car il ne chancelle jamais. Et qu'une telle personne, la béatitude d'un tel homme, d'une telle femme, d'un tel garçon, d'une telle fille, comme la personne vieillit, les vents, les tempêtes de la du monde ne vont pas déranger une telle personne parce que cette personne est bénie. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Verset 7, c'est très merveilleux. Il dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Voici cela. Il dit, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel, croyant à l'Éternel, son cœur est ferme, obéissant à l'Éternel, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Job 23, Job chapitre 23, verset 12, Job 23, 12 qui dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Job dit que je pourrais traverser des défis, mais il y a quelque chose que je ne vais jamais ôter mon corps de là. Il y a quelque chose auquel je ne vais pas retirer mes yeux. Et il y a quelque chose à laquelle je ne vais pas retirer ma confiance. C'est que je n'ai pas abandonné les commandements de ses commandements. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Vous savez combien on aime un aliment succulent quand on est affamé. On veut prendre le petit déjeuner. Vous savez comment on aime
prendre un petit déjeuner, ou bien un déjeuner ou un dîner, lorsqu'on a faim, l'homme l'a dit que oui, j'aime vraiment la parole de Dieu et que la parole de sa bouche est plus que mon aliment nécessaire. Ce qui dit, c'est que pas de Bible, pas de petit déjeuner. Je vais lire la Bible, je vais méditer la Bible, je vais assimiler la parole de Dieu. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit que j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, il dit que pas d'écriture, pas de dîner. Donc je dois avoir les écritures. Après cela, j'aurai des supplications et puis je vais dépendre du Seigneur. Et puis, évidemment, cet homme ici sera béni. Voici l'image de l'homme bienheureux. Nous avons vu sa description numéro 2. Nous avons vu son plaisir. Et puis, nous allons voir ses actes ou ses activités. Les activités de l'homme béni. Si vous serez béni ou bienheureux, vous devez faire quelque chose. On doit continuer à faire la chose avec la bénédiction de Dieu coule à notre vie. Et que cela soit un fleuve inépuisable de la béatitude, de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le psalmiste regarde de différentes choses, l'amour de Dieu qui coule comme un courant d'eau, la grâce de Dieu comme un courant d'eau, la miséricorde de Dieu comme un courant d'eau, la puissance de Dieu comme un courant d'eau ruisselant, la puissance de Dieu comme un courant d'eau ruisselant. Et que cet homme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est planté par la grâce de Dieu, il est planté dans l'amour de Dieu, il est planté dans la miséricorde de Dieu, il est planté dans la force de Dieu, il est planté dans la force de Dieu, dans la puissance de Dieu, parce que il est si planté dans le courant d'eau. C'est pourquoi il porte son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, ce sont ses activités. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à tout moment d'être les pratiquants de la parole. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On doit pratiquer la parole parce que c'est par là que nous serons bénis dans nos actes. Jacques 1, 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et 24 dit, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est. Était. Verset 25 maintenant. Et soyez pratiquants de la parole. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, il écoute la parole, il continue, il persévère, il planifie sa vie en obéissant la parole de Dieu, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Au fait, ça c'est ainsi que Dieu exauce nos prières, parce que nous sommes pratiquants de la parole de Dieu. 1 Jean 3, verset 22 nous dit, cela nous parle de comment Dieu nous exauce. Et lorsque nous savons que nous sommes fondés sur la parole de Dieu et nous sommes totalement établis sur la parole de Dieu. Ouvrez la Bible, 1 Jean chapitre 3, verset 22. Cela dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. C'est l'homme heureux lorsque vos prières sont exaucées
Alors, lorsque Dieu donne solution à vos problèmes, n'êtes-vous pas béni? Et que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et puis, nous disons verset 23. Et verset 23 dit, « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » 24 dit, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Par l'Esprit qu'il nous a donné. Et maintenant, nous allons au deuxième point. On a vu l'image de l'homme béni, ou bienheureux. Nous allons voir maintenant la prospérité de l'homme croyant à la Bible. L'homme qui croit à la Bible, c'est l'homme né de nouveau, l'homme béni. L'homme qui croit à la Bible, c'est l'homme là qui fonde sa vie, ses comportements, ses actions. Tout ce qu'il fait, tout est fondé sur la parole de Dieu. La prospérité de l'homme croyant à la Bible. Et nous allons voir Psaume 1, verset 3. Psaume chapitre 1, verset 2. Verset 3 du moins. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est planté près d'un courant d'eau. C'est comme il a un fondement. C'est comme il a un fondement stable. C'est pas qu'il est ici aujourd'hui, demain il n'est pas là. Il est planté ici, le lendemain il est transplanté, il est déraciné. Alors il est transporté par tout vent. Non, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors il a son fondement, il est stable là-bas et qui donne son fruit. Qui donne son fruit en sa saison. Il fait ses efforts, il fait quelque chose qui donne son fruit. Et il fait tout ce qu'il doit faire afin que le fruit soit donné à tout moment et qu'il donne son fruit en sa saison. Il est ferme à porter, à donner du fruit. Il est engagé à tout moment à donner des fruits et il a une loyauté stable qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il n'éprouve pas la sécheresse, il n'éprouve pas la famine, il n'éprouve pas le changement de climat, le changement climatique et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit et il porte de fruits à tout moment. Il est fructueux comme on voit le verset 3. Je vais voir trois choses là-bas. Et son fondement soutenu. Deux, c'est sa fidélité inébranlable. Trois, c'est sa fidélité satisfaisante. Alors, Psaume 1, verset 3, première partie. Il est comme l'homme qui est de nouveau. Il est comme l'homme dévoué. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il a un fondement. Il est planté. Il n'est pas seulement un arbre qui seulement a poussé quelque part, mais il est planté. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Verset 14. Planté dans la maison, voyez, vous pourriez souligner ce mot-là, planté. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont plantés dans la maison de Dieu lorsqu'ils étaient là. C'est la maison de prière. Pourquoi la maison de Dieu? C'est la maison de puissance. Lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu, c'est la maison de miséricorde. Lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu, c'est la maison d'amour. Et ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. C'est la maison où Dieu opère. C'est là où Dieu agit. Le créateur du ciel et de la mer et de la terre se stationne là-bas et il agit là-bas. Cet homme est planté là-bas dans la maison de l'Éternel et il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Verset 15 dit,
Il porte encore des fruits dans la Vierge. Il porte encore des fruits dans la Vierge. Ben, qu'ils soient vieux ou jeunes, ils sont plantés dans la maison du Seigneur. Ils sont plantés auprès d'un courant d'eau. Parce qu'ils sont chaque fois plantés là-bas. C'est pourquoi ils portent des fruits, même dans la vieillesse. Et regardez autour de vous. Certains disent que je vieillis maintenant et que je ne dois plus encore aller à l'étude biblique. Tout le temps que je faisais cela, je ne dois plus encore aller à l'heure de réveil comme je faisais cela. Je ne dois plus lire la Bible comme je faisais cela. S'il y a un temps qu'il faut lire votre Bible, c'est lorsque vous vieillissez. S'il y a un temps vous devez être à l'église, c'est lorsque vous vieillissez plus. S'il y a un temps que vous devez être planté auprès d'un courant d'eau, c'est lorsque vous vieillissez. Parce que maintenant, vous êtes plus proche du ciel que ce qu'en temps passé. Alors, cela dit que ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Verset 16 dit, « Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, ce doit être votre témoignage, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. » Jérémie 7 nous dit, Jérémie chapitre 17 plutôt, Jérémie 17, verset 7, qui dit, heureux l'homme là. Jérémie 17, verset 7, que béni soit l'homme. David en a parlé, maintenant Jérémie aussi dit, Jérémie 17, verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ouais. Il n'est jamais désespéré. Cet homme est béni. Voilà le portrait de l'homme là, la prospérité de l'homme là. Les promesses données à cet homme-là. L'Éternel est son espérance. Au fait, le verset 8 dit, il est comme un arbre planté près des eaux. La même chose. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est rafraîchi à tout moment. Il est fécond à tout moment. Il porte du fruit à tout moment. Quel que soit ce qui change, cela ne l'affecte pas. Cet arbre planté près des eaux, près des courants d'eau, n'est pas affecté et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse jamais de porter de fruit. Il continue de porter de fruit. Pourquoi? Parce qu'il est planté dans un fondement, il est soutenu par le fondement. Le fondement est dit en 1 Corinthiens 3. Le fondement se trouve en 1 Corinthiens 3, verset 11, qui dit que « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Vous comprenez? Si vous dites qu'il est planté près d'un courant d'eau, je vous l'ai déjà dit, dans le courant d'eau de la paix de Dieu, Jésus est notre paix. Dans le courant de l'amour de Dieu, Jésus est l'amour de Dieu. Dans le courant d'eau de la miséricorde de Dieu, Jésus est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Dans le courant d'eau de la miséricorde, de la bonté de Dieu, et Jésus est le fondement de toutes choses. Et c'est dit que si nous allons avoir ce fondement soutenu, alors il faut être planté en Christ. Il faut demeurer en Christ, il faut rester en Christ, il faut être sécurisé en Christ, il faut être sur le fondement soutenu. C'est le fondement Jésus, notre Sauveur, le fondement Jésus, celui qui nous sanctifie, le fondement celui qui nous guérit, Jésus-Christ, notre Rédempteur, Jésus-Christ, notre Libérateur, Jésus-Christ, celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui a fait la rédemption, qui a fait la sanctification, qui a fait toutes choses pour nous. Il est tout en tout pour nous. C'est pourquoi vous êtes planté en Christ. Vous demeurez en Christ. Sans lui, on ne peut rien faire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est pourquoi il est sur ce fondement. C'est pourquoi fidèlement il porte de fruits. Fidèlement il porte de fruits à tout moment. Cela me ramène au psaume 1. Nous allons voir maintenant sa loyauté, sa ferme loyauté.
Psaume 1, verset 3. Cela nous parle de cet homme bienheureux, cet homme qui est planté près d'un courant d'eau. Cela dit que qui donne son fruit, qui donne son fruit. Cela veut dire que le fruit ne vient pas par lui-même, ce n'est pas automatisé. Il fait quelque chose, il porte, il agit, il obéit au Seigneur, il fait ce qu'il doit faire. Et comme résultat, alors il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Fidèlement, il porte son fruit en sa saison. Cette fidélité, mon frère, alors est en vous. C'est surtout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de la fidélité là pour être ferme. N'allez pas dire qu'aujourd'hui, n'allez pas porter de fruit aujourd'hui. Le fruit de bonne œuvre auquel le Seigneur vous a appelé, peut-être vous ne portez pas de fruit aujourd'hui. Mais l'arbre est là. Il est planté près de courant d'eau. Et chaque moment, à chaque jour, à chaque saison, cela porte le fruit. C'est ce que cela doit être. Alors voyons maintenant Marc 4. Marc chapitre 4. Je lis verset 14. Marc 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Parce que la parole est semée dans votre cœur. Vous ne devez pas semer au bord de la route. Tout le terrain qui est plein de cailloux, et vous faites tout pour sacler le terrain là, et vous enlevez les choses, les obstacles, afin que la parole de Dieu tombe sur un sol fertile. Et c'est dit, il dit le fruit que vous devez porter. Verset 20 dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Et nous donne une autre image. Il parle de la semence semée dans votre cœur. Et on doit méditer la parole jour et nuit. Alors, parce que vous méditez la parole, là, cela porte le fruit. Parce que notre cœur est une bonne terre. Notre esprit est une bonne terre. Notre intelligence est une bonne terre. Là où la parole est semée, là où la semence de l'évangile est semée, est une bonne terre. Et ce sont d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. De diverses parties de notre vie, on porte le fruit et à la trentaine, à la soixantaine et à la centaine. Et dit en Jean chapitre 15, cela parle de la fécondité du croyant. Chapitre 15 et verset 2 qui dit ici, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Le Seigneur Jésus parlait du Père ici, que le Père est le vigneron et c'est lui qui évalue tout. Que tout serment en lui, toute personne qui professe être dans le Seigneur, qui ne porte pas de fruits et qui n'a qu'une vie de religion, qu'une vie de justice et qu'il n'y a qu'une vie de réformation et il ne regarde pas le fruit apporté. Et c'est dit que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il veut qu'on porte de fruits, et il veut qu'on porte beaucoup de fruits à tout moment. Verset 5. 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Soulignez cela. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Alors, il n'est pas une personne comme Pierre qui roule, qui n'amasse pas mousse. Et il n'est pas un vagabond, un errant. Il est ici, il est là, mais il demeure. Il est stable, il est fiable. Il est resté sur ce fondement. Il reste sur ce fondement soutenu. Il est resté là-bas. Il est planté là-bas près de courant d'eau. Et qui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Au fait, il nous dit au verset 16 dit,
la raison pour laquelle il nous a choisi, la raison pour laquelle il nous a sélectionné, il nous a dit la raison pour laquelle nous sommes membres du corps de Christ, lorsque nous sommes enfants de Dieu. Verset 16 dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il veut qu'on porte du fruit. Maintenant, nous venons maintenant en commission avec le Seigneur. Nous sommes mariés au Seigneur. Nous sommes totalement dévoués au Seigneur. À tout moment avec le Seigneur, il n'y a pas de choix. Nous allons porter du fruit. Romains chapitre 7. Romains 7 verset 4 nous a dit ce que doit être notre connexion avec le Seigneur, avec Christ, que si nous sommes pleinement connectés avec le Seigneur, nous sommes totalement connectés avec lui, que nous allons porter de fruits. Romains 7 verset 4 dit: de même mes frères, de même enfants de Dieu, de même ceux qui ont goûté la bonté du Seigneur, la grâce de Dieu, ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau, ceux qui sont purifiés dans le sang de l'agneau, ceux que Dieu a dit sortez du milieu d'eux, et je serai votre Dieu, vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel. Il a dit que ces gens-là, qui sont frères et sœurs, membres de la famille de Dieu, et qui suivent Christ et qui ont la grâce de Dieu, et je sais pourquoi. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Nous sommes mariés à Christ, notre Sauveur. Nous sommes mariés à Christ, notre Sanctificateur. Nous sommes mariés à Christ, celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Nous sommes mariés à Christ, notre Seigneur, notre Roi. Et Dieu, la raison pour laquelle nous sommes mariés à lui, c'est que nous portions de fruits pour Dieu. Nous voyons la prospérité de l'homme croyant à la Bible. Numéro 1, il a un solide fondement, un fondement établi et soutenu, un fondement qui ne se déplace pas, lui-même ne se déplace pas de ce fondement. Un fondement bien soutenu. Numéro 2, c'est une loyauté ferme, une ferme loyauté. Il porte de fruits à tout moment, mais la question est que quel type de fruits porte-t-il? Numéro 3, maintenant, c'est une fidélité satisfaisante. Alors, nous voyons Psaume 1, verset 3. Et il est comme un arbre, il est comme un arbre planté près de courants d'eau. Voici l'homme heureux qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voici l'homme heureux qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voici l'homme béni dont nous parlons, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voici l'homme là béni là, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve dans la volonté de Dieu, qui trouve son plaisir dans la voie du Seigneur, qui trouve son plaisir dans la sagesse de Dieu, et qui trouve son plaisir dans la voie, dans la sagesse, dans la loi de Dieu, dans la sagesse de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On trouve dans ce verset le fruit qu'il porte en sa saison. Quel type de fruit? Cela nous amène à cette troisième partie, cette fidélité, la fidélité satisfaisante. Matthieu 3, 8. Cela porte le fruit, cela parle du fruit de cet homme béni. Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Tu dis que tu es né de nouveau, montre-nous les fruits. Tu dis que tu as confessé les péchés, que tu hais le péché, que tu t'en es détourné en permanence, que tu t'es détourné vers le Sauveur qui t'a pardonné, qui t'a affranchi, qu'on voit le fruit. Alors, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le fruit qui, selon la repentance, le fruit
qui est relatif à la repentance. N'as-tu pas dit que Seigneur, je suis désolé, montre-nous le fruit de cette désolation. Seigneur, je ne vais plus faire cela. Montre-nous le fruit de ce qui va de pair avec cette repentance, le fruit digne de la repentance. Cela veut dire que ce que tu étais, tu ne l'es plus. Tu étais dans les ténèbres, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu faisais le mal, tu ne fais plus le mal. Et tu étais un gangster, tu n'es plus gangster. Tu es une nouvelle créature en Christ. Ta vie est totalement nouvelle. Ta vie est totalement renouvelée. Ta vie est totalement juste. Et en présence du Seigneur, ce que tu fais en secret, ce que tu fais en public, c'est selon la parole de Dieu. Et tout va avec ta repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il nous dit en Romains 6, verset 22, le type de fruit qu'on porte. Lorsque c'est dit, Romains 6, verset 8. Verset 18, comme nous sommes ayant été affrontés du péché, nous sommes, le sang de Jésus nous a lavé, nous sommes menés en Christ. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. On devient esclave de Dieu. On ne sert plus Satan. On ne sert plus le péché. On ne sert plus le moi. On ne sert plus la société occulte. On ne cherche plus. On ne sert plus la puissance des ténèbres. On ne sert plus les ennemis de la justice. C'est dire que nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Voyons ceci. Et vous avez votre fruit comme la sainteté. Lorsqu'on parle de la fidélité satisfaisante, que nous portons le fruit de la repentance, nous portons le fruit de la justice, nous portons le fruit de la sainteté et à la fin la vie éternelle. Alors, il parle du fruit de l'esprit. On va à Galates 5, le fruit de l'esprit, verset 22. Galates 5, verset 22. Et on porte cela à fermement, on porte cela solidement, on porte cela au vêtement, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Il y a la joie dans notre corps maintenant. On ne va pas, le visage renfrogné, le visage triste, comme si le monde à l'envers maintenant. C'est comme si nos péchés ne sont pas effacés, c'est comme si on n'est pas affranchi du jour, du passé. C'est comme on porte tous les péchés du monde à notre dos. Mais c'est dit que parce que nous sommes plantés près du courant d'eau, les promesses sont les nôtres, les prophéties sont les nôtres, les préceptes sont les nôtres, la parole est la nôtre et l'heure du Seigneur est la nôtre. À cause de cela, on porte le fruit de la repentance. À cause de cela, nous portons le fruit de la justice. À cause de cela, nous portons le fruit de la sainteté. À cause de cela, nous portons le fruit de l'amour. Et la joie et l'enthousiasme, nous servons le Seigneur heureusement, nous portons la paix, il y a la paix dans le cœur, il y a la paix dans nos foyers, il y a la paix dans notre famille, et nous sommes des agents de paix, nous sommes les ambassadeurs de la paix, parce que nous savons que nous devons porter ce fruit, on porte le fruit là à tout moment, et nous portons le fruit de la paix, comme ambassadeur de la paix, nous portons le fruit de la patience. On n'est pas facilement découragé, facilement épuisé. Je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci. Chaque fois, chicaner, chaque fois, se plaindre, même on n'a même pas une petite patience. C'est là comme ça. Mais du coup, le fruit qu'on porte, c'est le fruit de la patience à la maison. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation de la communauté, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de confrontation. Parce qu'on a le fruit de la patience et le fruit de la bonté. Il n'y a pas la dureté, il n'y a pas l'oppression, il n'y a pas un esprit tenace, mais on est bon aux enfants, à notre femme, aux voisins, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur et la tempérance. 23. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Nous allons aux Philippiens maintenant. Philippiens chapitre 1, versets 10 et 11. Cela parle du fruit qu'on porte, le fruit de la justice qu'on porte et le fruit de la bonté qu'on porte. Et c'est dit
aux Philippiens, chapitre 1, verset 10. Parce que nous sommes enfants de Dieu maintenant, parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau, parce que nous sommes plantés là-bas, nous sommes soutenus là-bas, nous sommes stables là-bas, et parce que on ne se déplace pas par-ci, par-là, on porte le fruit de la repentance, gloire à Dieu, c'est là, le fruit de la justice, gloire à Dieu, c'est là, le fruit de la sainteté, gloire à Dieu, c'est là, et le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la douceur, la bénignité, tout ce fruit est là. Et maintenant, il nous dit en Philippiens, chapitre 1, verset 10, qui dit, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Et faut pas oublier cela, faut pas oublier le mot là, faut pas oublier ce qui est dit, pour le jour de Christ, pour le jour de Christ, sans offense, jour après jour, un jour par moment, quand vous avancez, alors il faut tout faire qu'on porte le fruit qui n'offense pas, le fruit qui ne va pas à la mauvaise direction dans le cœur de quelqu'un, parce que nous sommes irréprochables pour le jour de Christ. Verset 11 dit, rempli du fruit de justice. Voilà le fruit dont il s'agit ici. Nous sommes remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Colossiens 1, verset 10. Cela parle du fruit que nous devons porter, le fruit qui est agréable à Dieu, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Alors, Enoch a marché avec Dieu, il lui était agréable. Abel a marché avec Dieu, il était agréable au Seigneur. Noé a marché avec le Seigneur, il lui était agréable au Seigneur. Vous rappelez bien Abraham, il était agréable au Seigneur. Et Dieu l'a appelé mon ami. Il dit que nous aussi, la même grâce qu'ils avaient, le même amour qu'ils avaient, la même dévotion qu'ils avaient, le même engagement qu'ils avaient au Seigneur, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que cela dit? Comme nous croissons par la connaissance de Dieu, le fruit qu'on porte va croître. Comme on croit par la connaissance de Dieu, le fruit qu'on porte croît. C'est ce que le Seigneur dit. Comme on apprend de plus en plus, comme on prie de plus en plus, comme on est connecté de plus en plus avec le Seigneur, comme on demeure de plus en plus avec le Seigneur, on croit dans la connaissance, on s'accroît dans l'amour de Dieu, on s'accroît dans notre consécration, on s'accroît dans notre plaisir à faire la volonté de Dieu et à faire la volonté de Dieu, et aussi dans notre foi aussi, la foi aussi va s'accroître. Nous avons vu l'homme bienheureux. De numéro 1, on a vu l'image de l'homme bienheureux. Numéro 2, on a vu la prospérité de l'homme croyant à la Bible. Nous allons maintenant au troisième point qui est le partage ou la portion des méchants. La portion ou le partage des méchants. Allons à Psaume chapitre 1. Lisons le verset 4. Psaume 1, verset 4 dit, il n'en est pas ainsi des méchants. C'est comme nous avons cette compagnie des gens fidèles, justes, gracieux, miséricordieux, aimables, comme on va avec, on dit que il est béni, elle est bénie, l'autre l'est béni. Soudain, on tourne, on dit que regardez cela. Ah, cela n'est pas comme les autres. Cela n'est pas béni comme eux. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors, ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas fermes. Ils ne peuvent pas demeurer et rester. Ils ne sont pas comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Et comme le vent souffle, le vent les emporte ici et là. L'impie, les méchants, les pécheurs, les moqueurs, les blasphémateurs, les rétrogrades. Ils sont comme la paille que le vent emporte. Verset 5, que le vent dissipe. Verset 5 parle des méchants. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Le jugement viendra, le jugement du grand trône blanc va finalement venir.
ils ne sont pas en mesure de résister, d'y résister. Ce n'est pas dit qu'ils ne vont pas paraître devant, ils ne vont pas comparaître devant le jugement, mais c'est dit qu'ils n'auront pas la force de tenir, n'auront pas aucune raison de faire les choses mauvaises. Alors leur bouche sera fermée. Alors il n'y aura pas de défense pour eux. Et il n'en est pas ainsi des méchants. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6 amène toute chose à conclusion. Et cela parle du juste et de l'impie. Car l'Éternel, et que leur, ils ont leurs voies sont différentes. Leur destinée, ils sont différents. Donc c'est dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Quelle est cette voie? C'est la bonne voie. Quelle voie s'agit-il? C'est la voie étroite. Quelle voie est-elle? C'est la voie de Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, le Seigneur, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parce qu'ils ne sont pas stables. Parce qu'ils ne sont pas dépendables. La voie des pécheurs mène à la ruine. C'est comme leurs vies sont écrites sur le sang, sur le sable. C'est comme leurs principes sont écrits sur le sable à la page, à la plage. À cause de cela, leur histoire, les choses qu'ils font seront effacées et leurs voix seront oubliées. La voix de l'impie et des pécheurs mène à la ruine. Ces trois versets parlent de trois choses. Numéro 1, la paille. Numéro 3, il y a la distance entre les justes et l'impie dans l'éternité. Numéro 1, c'est l'impiété dans la paille. Numéro 1, l'impiété dans la paille. Voilà le verset 4. Psaume 1, verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Que le vent dissipe. Le vent les dissipe. Prenez ceci. Oui, les méchants et la paille. Les méchants et la paille. La façon dont le Seigneur utilise la paille ici, c'est que la paille est trop légère pour être stable. Oui, la paille sera emportée par le vent. Le vent va séparer la paille du blé finalement. Et c'est dit que c'est ainsi le méchant est. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Vous savez bien cela. Lorsque vous prenez du riz et que vous ôtez la paille de derrière le riz, qu'est-ce qui va se passer? Voyons, Job. Cela parle de la nature de la paille. Finalement, Job 21, 18, est-il Job 21, 18, qu'il soit comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Le tourbillon du jugement viendra, va emporter la paille et le tourbillon, la tempête, le jugement dernier viendra. Lorsque cela vient, il n'y aura personne qui puisse garder le stable, qui puisse garder le méchant qui reste là-bas, mais il n'y a personne qui puisse le secourir. Alors il y aura la tempête et le tourbillon du jugement de Dieu qui emportera le pécheur au dernier jour. Esaïe 5, 25. Esaïe 5, 24. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume, lorsque la paille est emportée par le vent, par le tourbillon, lorsque la paille est emportée par le tourbillon du jugement de Dieu. Voici ce qui suit. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car
ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Soulignez cela, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, parce que leur pensée n'est pas dans la loi du Seigneur, leur cœur n'est pas dans la loi du Seigneur, parce que leur obéissance n'est pas dans la loi du Seigneur, parce qu'ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est la raison pour laquelle ce vent viendra et dissiper la paille et l'amener dans le feu et elle sera totalement consumée. Luc 3, verset 17. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier. Voilà ceci, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est la fin des méchants, c'est la fin de l'impie, c'est la fin éternelle du pécheur qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas de plaisir dans la loi du Seigneur, et s'est dit que cet homme, cette paille, cette personne impie, ce pécheur, ce fils est impénitent, rétrograde, ce moqueur, ce méchant qui ne veut pas descendre et rester au centre de la, dans la parole, au centre de la parole de Dieu, il sera comme une paille et cette paille sera brûlée par un feu qui ne s'éteint pas. Psaume 1, verset 5. Cela parle de l'indignité de l'homme charnel. Vous savez, la personne qui n'est pas juste, qui n'est pas qualifiée, ils sont dignes, ils sont charnels dans leur pensée, charnels dans leur comportement, charnels dans leur attitude, et ils sont charnels en suivant la pornographie, ils sont charnels en suivant la voie de la chair, et cela les a rendus pécheurs, indignes, moqueurs, méchants. C'est pourquoi c'est dit que c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Lorsque le jugement viendra, finalement, l'impie, le pécheur, le moqueur ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. On peut le dire que cela parle du futur, parce que maintenant, oui, le vent et la paille sont ensemble. Maintenant, le croyant et les incroyants participent. Ils fréquentent la même église locale parce que c'est un lieu ouvert à tout le monde qui vient. Ceux qui veulent se repentir viennent. Ceux qui ne veulent pas se repentir aussi viennent à maintes reprises comme pratiquant une vie de religion. Mais ceci parle de leur dernier jour de jugement, leur dernier jour de rendre les comptes. Cela parle du jugement du grand trône blanc. Et en ce temps-là, et les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Cela parle de l'indignité du charnel. Cela parle de l'indignité du charnel. Si nous disons charnel, cela parle de la non-indignité ou de l'indignité du charnel. Alors, quand le Nouveau Testament a parlé des gens charnels, des gens qui ne peuvent pas se tenir dans la voie du peuple de Dieu, ils ne peuvent pas se tenir au temps du jugement. Nous allons aux Romains. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. La paille est impie, est charnelle. Les moqueurs sont charnels. Les méchants sont charnels. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et l'affection de la chair est la parole, les doctrines de Dieu, les révélations de Dieu. La chair est l'autorité de Dieu. Que je veux faire ce que je veux, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas que quelqu'un me contrôle, parce que cela a l'affection de la chair.
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il n'est pas soumis à la loi de Dieu, il n'est pas soumis à la révélation de Dieu. L'affection de la chair ne se soumet pas à la révélation de Dieu, comme voici la voie de la révélation, voici la seule voie du salut. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut même pas. 8 nous dit, alors, ceux qui vivent selon la chair, ils ne sont pas à Christ. Or, ceux qui vivent selon la chair, ils ne sont pas en esprit. Ceux qui vivent selon la chair, ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas en Christ comme une nouvelle créature. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 7. Romains chapitre 7. Verset 14. Donc vous comprenez, ce qui dit de l'homme charnel et de leur indignité à se tenir devant le jugement et dans l'assemblée des justes. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Le charnel, c'est celui qui est vendu comme esclave au péché. Il ne peut pas s'en sortir. Il se tient comme un captif, un esclave. Il a servi, il sert comme un esclave. Il ne peut pas se délivrer, il ne peut pas se retirer de cet esclavage du péché, vendu au péché. Les charnels, 15. Voici le charnel. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je aime. Et les temps vous disent que je le hais, je ne veux plus faire cela. Et la vie d'un ivrogne est une vie misérable, je ne veux pas être comme ça. Mais avec tout cela, quoi qu'il reste ce qu'il fait, il n'a pas de pouvoir parce qu'il est comme une baille, il n'a pas de poids, il n'a pas de valeur, il n'a pas de grâce, il n'a pas de la puissance de Dieu qui doit le soutenir pour faire ce qui est bon. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je rêve. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17 dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voici, si Christ ne demeure pas en lui et si le Saint-Esprit ne demeure pas en lui et la parole de Dieu ne demeure pas en lui, parce qu'il est pécheur, parce qu'il est une personne impie, parce qu'il est un moqueur, parce qu'il n'est pas l'homme bienheureux, ben il n'est pas béni avec le salut, il n'est pas béni avec le pardon, il n'est pas béni avec l'affranchissement qu'il doit avoir. C'est dit que le péché demeure en lui. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Oui, il fait des résolutions sur résolutions, il fait des déterminations sur des déterminations, il prend des décisions sur décisions, que voici que j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alors, comment faire le bien, je ne sais pas. Je ne trouve pas ça. Verset 19 dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Vous voyez, cet homme-là, c'est un homme qui va à l'église. Un homme qui va chaque fois à l'église, mais n'a pas le salut. C'est une femme qui va à l'église. C'est une femme qui fréquente l'église à tout moment, qui lit la Bible à tout moment, mais qui n'a pas pris le temps pour prier et se repentir pour avoir le salut, avoir la grâce de Dieu et avoir une nouvelle vie en Christ. C'est pourquoi il sait ce qui est bien, il connaît les doctrines, mais c'est dit et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Voilà le verset 24. Verset 24 dit, misérable que je suis, le charnel ici, misérable que je suis, le pécheur, misérable que je suis, le faible là, qui chaque fois
fait ce qui est mauvais, mais il ne le veut pas. Et misérable, l'esclave qui parle ici, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Dieu merci, Jésus-Christ est notre libérateur. Dieu merci, Jésus-Christ est notre rédempteur. Si vous allez venir à Christ aujourd'hui, ne vous gênez pas, ne vous dérangez pas de tout le temps que vous venez à l'église. Nous parlons de venir à Christ maintenant. Tout le temps que vous professez dire que je suis membre, nous parlons de venir à Christ maintenant. Misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Christ vous délivrera, Christ vous sauvera. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, venons maintenant au dernier verset du psaume 1. Au dernier verset du psaume 1. Psaume 1, verset 6. Psaume 1, verset 6. Car l'Éternel connaît la voix des justes. Cette voix est différente de la voix des pécheurs. C'est la bonne voix. C'est la voix de la Bible. C'est la voix de l'Évangile. C'est la voix de la justice. Le Seigneur, l'Éternel, connaît la voix des justes. Dans chaque génération, l'Éternel connaît la voix des justes. Et pour chaque personne qui professe être juste, chaque personne qui est venue à Christ le juste, et le Seigneur a changé sa vie, l'a transformé, et le Seigneur l'a transformé. Et alors, il le suit, il sait comment il parle, il sait comment il agit, il sait ce qu'il fait dans le privé, en public, il sait ce qu'il fait. Et il connaît sa voix. Et quand l'Éternel connaît la voix des justes, et puis il va à l'autre côté, car l'Éternel est la voix des impies, des pécheurs qui est totalement différente, et la voix des méchants qui est différente, la voix des instables qui est totalement différente, la voix des gens qui font comme les Romains s'ils sont à Rome, qui font comme les Juifs à Jérusalem, ils ne sont pas stables. On ne peut pas leur dire que voici leur vie. Lorsqu'ils étaient pécheurs, ils sont avec les pécheurs, ils vivent comme les pécheurs. Quand ils sont avec les moqueurs, ils font comme les moqueurs. Quand ils sont avec les incroyants, ils vivent comme les pécheurs. Et la voix des pécheurs, des impies, cette voix-là mène à la ruine. Alors si ces impies périssent, leur voix aussi mène à la ruine, pas deux voix. Et la voix des pécheurs, la voix des impies et la voix des justes sont parallèles. Ces voix ne se joignent jamais parce qu'il y a un grand gouffre entre le juste et l'impie, entre le méchant, entre le pécheur et l'impie, entre le pécheur et le juste. Dès qu'on quitte ce monde sans avoir la chance de se repentir ici, le juste à la droite et l'injuste à la gauche, ils ne vont plus se joindre ensemble parce qu'il y a un gouffre, il y a une division, ils sont divisés, ils sont à part entière et ils sont vraiment ils sont là à ne plus se retrouver. Luc 16, vous connaissez l'histoire de l'homme riche en affaires et qui a créé que Lazare aille mettre le doigt de son comme le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la mer, pour lui rafraîchir la langue. Et Abraham répondit, mon enfant, et que d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, c'est la division, c'est la séparation, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. Le Seigneur dit que en ce dernier jour, le juste sera séparé des injustes, les méchants seront séparés des pieux, le peuple sauvé, sanctifié de Dieu sera séparé de ceux qui sont non sauvés, non sanctifiés, non justes, non saints, et seront à jamais séparés. Et ce gouffre est à jamais là. Apocalypse 22, verset 1, on va voir qu'au dernier jour, ce sera un jour
de jugement un jour à rendre les comptes. Si un homme, une femme meurt injuste, la personne demeure injuste à jamais. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. La personne demeure injuste et meurt injuste et demeure injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Si la personne demeure sauve, sauvée, sanctifiée, juste, saint, la personne demeure sauvée. Que celui qui est sauvé se suit encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Le Seigneur dit qu'il vient bientôt. Comme on peut voir les signes dans les airs, il dit qu'il vient et son avènement ne sera pas retardé. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre. C'est un homme bienheureux, c'est une femme bienheureuse à qui il donne l'avertissement, mais pour l'impie, il est un homme au cœur. La personne sera récompensée comme ça dit que voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et puis 13 dit et que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14 qui dit, heureux ceux qui, voici encore l'homme là encore, la femme là, la personne sauvée, le juste, la personne sanctifiée, la personne qui demeure dans la miséricorde de Dieu, la personne qui demeure dans la grâce de Dieu, la personne qui est plantée près d'un courant d'eau, la personne qui médite et qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu à tout moment, la personne qui agit selon la voie du Seigneur, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dans la ville, lorsque les justes vont entrer dans la ville de Dieu, dans le royaume de Dieu, et ils sont là à jamais dans le paradis au ciel. Voyons ce qui va arriver aux autres. Verset 15 qui dit, dehors les chiens, les injustes, les justes sont rentrés, dehors les chiens, les gens sauvés sont entrés dans la vie de Dieu, les injustes sont laissés dehors, les gens qui sont plantés près des courants d'eau, les gens qui sont bénis, les gens qui sont sauvés, les gens qui sont justes, les gens qui marchent selon la voie du Seigneur à tout moment, ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Mais dehors les chiens, les meurtriers, les idolâtres, c'est-à-dire dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge, ils seront restés dehors. Vous avez un choix à faire. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, vous êtes planté auprès d'un courant d'eau. Si vous êtes enfant de Dieu, continuez de méditer la parole de Dieu. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, continuez d'être l'homme béni là qui vous porte le fruit à tout moment. Vous portez le fruit de la repentance, le fruit de la justice. Vous portez le fruit de la sainteté. Vous portez le fruit de l'esprit. Vous portez le fruit de la présence divine dans votre vie. Que le fruit soit là à tout moment. Parce que les impies, les méchants vont souffrir à tout moment. Je prie pour vous, vous devez prier pour vous, que vous soyez l'homme bienheureux, que vous soyez la femme bienheureux, que vous soyez le garçon bienheureux, sauvé, sanctifié, juste, saint, et que vous trouvez votre plaisir dans la loi du Seigneur. Votre esprit est là dans la loi du Seigneur. Vous êtes stable, vous êtes ferme, vous continuez avec le Seigneur à tout moment, que vous soyez à la maison, à l'école, que vous soyez au service, au travail, que vous soyez à l'église, que vous soyez avec vos amis, que vous soyez quelque part au village, dans la rue, que vous demeurez dans la loi du Seigneur à tout moment. Vous êtes très très vigilant, vous portez le fruit à tout moment, et lorsque le Seigneur viendra, lorsque la trompette sonnera, lorsque le peuple de Dieu sera enlevé ensemble dans les airs, je prie que vous faites partie du nombre au nom de Jésus-Christ. Alors,
ce sera, si ce sera ainsi, il faut la grâce, il faut la face, il faut la force du Seigneur. S'il faut ainsi, il faut le soutien de Dieu, le support de Dieu. Vous devez dire, Seigneur, je veux ton aide maintenant. Vous devez dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce maintenant. Vous devez dire, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance pour me stabiliser, pour me fortifier plus dans la vie. J'ai besoin plus de la grâce dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, vous allez prier que tout ce que nous avons appris ce matin au sujet de l'image et au sujet du portrait de l'homme bienheureux, ce que vous avez appris au sujet de la productivité et de la prospérité de l'homme croyant à la Bible, que vous allez avoir cela et vous allez éviter la portion ou le partage de l'homme méchant. Le partage d'un méchant à la fin au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous tenir debout et vous concentrer sur ceci maintenant? Écoutez, la parole ne se fait pas, on doit pratiquer la parole et que la parole quitte la tête pour entrer dans notre cœur. Du Seigneur, j'ai entendu la parole, je veux être l'homme là bienheureux, l'homme, je veux être l'homme là décrit, mes péchés pardonnés, je veux être la femme là et je marche dans la voie du Seigneur et je ne commets pas d'iniquité, je suis obéissant à la loi, je suis l'homme là, je suis la femme là. Au Seigneur, ta grâce à moi, ta force à moi, parle au Seigneur. Et que, avec une ferme décision, je ne vais pas marcher dans la voie d'un méchant. Avec une ferme décision, je ne vais pas m'arrêter dans la voie des moqueurs. Avec une ferme décision, je ne vais pas m'asseoir en compagnie des moqueurs. Avec une ferme décision, que je vais trouver mon plaisir dans la loi du Seigneur. Avec une ferme décision, je vais me réjouir dans la loi de Dieu. Je vais aimer cette loi. Je vais prendre sa parole. Je vais demeurer dans sa voie. Je vais aimer la sagesse de Dieu. Parler au Seigneur que cette parole de Dieu me soit plus précieuse que mon petit déjeuner, plus précieuse que mon dîner. Je vais prendre la décision que sans Bible, sans lecture biblique, sans recueillement, sans petit déjeuner, je dois nourrir mon esprit, mon homme intérieur avant de nourrir le corps, avant de dormir la nuit. Sans lecture biblique, pas de sommeil. La lecture doit venir, l'écriture doit venir, afin qu'au commencement du jour, jusqu'à la fin du jour, l'écriture, la Bible, c'est la parole de Dieu qui doit me garder à marcher dans la voie du Seigneur à tout moment, toute ma vie. Et tout ce que je fais, je pense à ta parole. Tout ce que je fais, je pense au commandement de Dieu. Tout ce que je fais, je pense à ce que tu as pour moi à faire. Et je fais cela dans ta force, dans ta puissance, dans ta capacité. Seigneur, aide-moi afin que je sois l'homme bienheureux. Je sois l'homme là qui croit la Bible. Je sois l'homme là qui croit la Bible. Mon cœur est soutenu. Mon cœur soutenu sur un fondement solide. Je ne vagabonde pas par ces paroles. Je ne suis pas comme la paille qui va dans cette assemblée, dans l'autre dénomination, dans l'autre temps là. Je ne suis pas la personne qui erre de religion en religion et qui coûte les religions comme on prend le vin de Parme. Je ne suis pas comme ça. Je serai sur le fondement solide. Je serai ferme dans ma loyauté. J'aurai maintenant une loyauté satisfaisante dans le Seigneur. La portion d'un méchant ne sera pas ma portion. La portion d'une femme méchante ne sera pas ma portion. La vie de Christ, moi, j'aurai. Et ma destinée sera la destinée du juste, la destinée des rachetés, la destinée de ceux qui sont sanctifiés, le peuple saint de Dieu. Le Seigneur ne rejettera personne. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, alors aura la force dont il a besoin, la puissance dont il a besoin, la miséricorde dont il aura besoin, toute la justice dont on aura besoin et toute l'assurance dont on aura besoin dans le Seigneur. Parlez au Seigneur. Il ne faut pas rater le moment de prière et croyez au Seigneur maintenant. Le Seigneur a aussi. Croyez maintenant, il a aussi. Il ne rejette personne. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera exaucé, sera sauvé. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ce culte. Merci pour ce que tu nous as révélé ce matin.
Merci pour l'image de, ou le portrait de l'homme béni, de la femme heureuse. Nous prions que tous ceux qui ont entendu, qui ont reçu ta parole ce matin, que cette personne soit la personne bienheureuse au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que nous soyons le peuple qui croit à la Bible et que nous tenions sur ta parole. Seigneur, que nous tenions sur le fondement de Christ. Nous prions que tout ce que Christ a fait à la croix de Calvaire soit le nôtre au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, et que nous prions que nous portions du fruit à tout moment, partout où on se trouve, qu'on soit fidèle, le courage pour être fidèle, la colonne vertébrale pour être fidèle, et la vie du fidèle, que cela soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que nous continuions de porter de fruits satisfaisants, que nous continuions de porter de fruits. Nous prions que le partage du méchant, le partage des méchants ne soit pas le nôtre au nom de Jésus-Christ. Et lorsque la trompette sonnera et que le mort en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés pour être ensemble avec eux dans les airs, je prie mon Dieu que mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon petit là-bas, mon petit-fils là-bas, mon fils là-bas, ma fille là-bas, qu'aucune personne ne rate le jour là, au dernier jour, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qu'il faut faire, donne-nous la grâce pour faire cela et que nous soyons au centre de ta volonté pour faire ta volonté à tout moment jusqu'à ce que tu viennes. Et nous prions et que à ton arrivée, on sera avec toi après l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que au cours de la semaine, la parole que nous avons entendue, que nous allons pratiquer tout, nous allons publier la parole, nous allons prêcher la parole, nous allons proclamer la parole partout. Et cette parole portera de fruits dans notre vie, dans notre ministère au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci d'être avec nous, ta présence avec nous et tout ce que tu nous as donné. Nous prions que cette parole agisse dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.